Un vrai bric-à-brac avec un côté à la fois glamour mais surtout ultra kitsch, un mélange d'accessoires, de mode, de porcelaine, de bijoux, bref, il y en a pour tous les goûts, tous les sexes et tous les âges. Alors le concept est assez simple mais plutôt original. Le concept s'appelle The New Recycle. Ici ça s'appelle Pass the Baton, donc on se passe des objets de l'un à l'autre, on fait des échanges, voilà. C'est un grand dépôt vente mais d'une manière assez originale puisque chaque objet a une étiquette avec son historique et sa provenance, donc c'est quand même assez agréable quand on achète un bijou ou bien encore une robe vintage de savoir d'où ça vient. Alors dans la boutique, vous n'avez pas que du vintage, vous avez également des shopping bags qui viennent directement d'Europe et qui sont réimprimés par les soins du propriétaire, encore une fois très créatif, avec des couleurs un peu fluo et cette petite astuce en cuir pour le fermer, pour que ce soit joli et surtout ultra fashion. Dans la boutique, au milieu des objets kitsch et vintage, vous avez également des objets complètement hallucinants, designés par Masamichi Katayama, comme ce lustre de folie avec de la porcelaine, étant également le designer de Colette ou bien celui d'Uniqlo à Paris. Alors il faut savoir que dans la boutique, chaque objet que vous allez pouvoir trouver, chaque pièce a été déposée personnellement par son propriétaire. C'est pour ça que les prix restent abordables puisque ce sont les propriétaires eux-mêmes qui fixent leurs prix. Comment est-ce que vous avez eu l'idée d'ouvrir ce concept store ?普通のデザイナーさんとか会社がただ作るだけじゃなくて一般の人とかがこう持ってくるものの方が面白いかなと思ったんですね。それで、まあ自分たちも行きたくなるようなリサイクルショップっていうものを作りまして、個人が顔と名前と物のストーリーを添えて出品したり、それから企業の 持っている古いもの、デッドストックですとか、傷がついちゃったものとか、そういうものを出してもらったりしてます。 OK. Ouais. Comment est-ce que l'on peut décrire finalement la boutique? まあ基本的にはもったいないっていうところから来てるんですけれども、単にもう使えないものを渡せばいいやっていうだけではなくて、よりそれが魅力的になるように、やはり 魅力的じゃないと意味がないと思っているんですね。そういうところを大事に考えています。D'accord. Et alors, quelle est la clientèle qui vient dans la boutique finalement? Comment est-ce que l'on se repère? Parce que comme il faut aller underground, c'est pas forcément visible de l'extérieur. いろんなお客様の層がいてですね、若いストリート・キッズもいますし、年配の女性の方だとか、あと観光客とか、普通ファッションだと大体
あの決まったお客様の層になっちゃいますけど、いろんな方がいらっしゃるのがこの魅力、あのお店の魅力だと思います。D'accord. Alors, est-ce que vous avez comme ambition d'ouvrir une boutique comme celle-ci de passage de témoin à Paris ou bien à New York ou au contraire celle-ci complètement underground et cachée reste et sera la seule à Tokyo. あの東京だけではなくて、パリもニューヨークもやりたいですし、もともとあのこう広がるイメージで、まあね、ものが赤か集まるところが赤く光る地球儀がもしあったら、その赤いのを広くピンクにこう伸ばしていきたいんですね。それで、うちのパスタバトンのブランドカラーは薄いピンクになってるんです。それが広がっていくイメージです。ありがとう。ありがとう。